Fifi écrit une lettre et va à l'école, mais seulement un petit peu. Aujourd'hui, dit Tommy, Annika et moi avons écrit à notre grand-mère. Ah bon ? Répondit Fifi en continuant de remuer le contenu d'une casserole avec le manche de son parapluie. Le dîner sera délicieux, dit-elle en y plongeant le nez. Faire bouillir une heure en remuant et servir immédiatement sans gingembre. Que disais-tu ? Tu as écrit à ta grand-mère ? Oui, répondit Tommy qui était assis jambes pendantes sur le coffre à bois de la cuisine. Et nous recevrons bientôt une réponse. Oh, je ne reçois jamais de courrier, dit Fifi indignée. Oui, mais tu n'écris jamais, objecta Annika. On ne reçoit pas de courrier si l'on n'écrit pas. Et cela parce que tu ne vas pas à l'école, ajouta Tommy. Tu n'apprendras pas à écrire sans aller à l'école. Je sais écrire. Je connais un tas de lettres. Fridolf, le matelot sur le bateau de mon papa, m'en a appris plein. Et si on manque de lettres, on peut toujours se servir de chiffres. Non, mais je sais écrire, moi. Sauf que je ne sais pas sur quoi. Que met-on habituellement dans une lettre ? Eh bien, je demande à ma grand-mère comment elle va, et je lui donne de mes nouvelles. Je parle ensuite de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui, j'ai mentionné que j'avais tué un gros rat dans notre cave. Fifi réfléchit tout en remuant la casserole. Oh, c'est vraiment triste de ne pas recevoir de courrier. Tous les enfants reçoivent des lettres. Ça ne peut plus durer. Et si je n'ai pas de grand-mère à qui écrire, je n'ai plus qu'à m'envoyer des lettres. D'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite. Fifi ouvrit la porte du four et regardait à l'intérieur. Si je me souviens bien, il doit traîner un stylo par ici. Il y avait effectivement un stylo. Fifi le prit, déchira un grand sac en papier blanc et s'assit à la table de la cuisine. De profondes rides marquèrent son front. Elle réfléchissait. Ne me dérangez pas. Je réfléchis. Tommy et Annika décidèrent de jouer avec M. Nilsson pendant ce temps. Ils réussirent à lui enfiler son petit costume. Annika essaya de le coucher dans le lit de poupée vert. Elle voulait jouer à l'infirmière. Tommy serait le docteur et M. Nilsson l'enfant malade. Mais M. Nilsson refusa de rester tranquille. Il se glissa hors du lit, grimpa au lustre de la cuisine et s'y suspendit par la queue. Fifi leva le nez de sa feuille de papier. « Monsieur Nilsson, cesse de faire l'imbécile. Un enfant malade ne se suspend pas à un lustre par la queue, du moins pas chez nous. J'ai entendu dire que ça arrivait en Afrique du Sud. Les gens accrochent leur bébé au lustre quand il a un peu de fièvre et il y reste jusqu'à son rétablissement. Mais nous ne sommes pas en Afrique du Sud, il me semble. » Tommy et Annika abandonnèrent M. Nilsson et allèrent caresser le cheval. Celui-ci fut ravi de les voir sur la véranda et il flaira leurs mains à la recherche de morceaux de sucre. Annika fonça en chercher. Fifi écrivit longtemps et acheva sa lettre. Elle n'avait pas d'enveloppe. Tommy courut lui en chercher une et lui donna également un timbre. Fifi écrivit son nom et son adresse. Mademoiselle Fifi Lotta Brin d'Acier, Villa Drôle de Repos. Que dit la lettre ? Demanda Annika. Comment le saurais-je ? Je ne l'ai pas encore reçue. À cet instant, le facteur passa devant la Villa Drôle de Repos. Un coup de chance ! Voilà le facteur juste quand j'ai besoin de lui. Fifi se précipita dans la rue. S'il vous plaît, portez immédiatement cette lettre à Fifi Brin d'Acier. C'est urgent. Le facteur regarda la lettre, puis Fifi. « Mais n'es-tu pas Fifi Brin d'Acier ?»« Évidemment. Vous me prenez pour qui ? Pour l'impératrice d'Abyssinie ?»« Dans ce cas, pourquoi ne portes-tu pas cette lettre toi-même »« Pourquoi ? Oh, que ne faut-il pas entendre ? Alors comme ça, c'est aux gens de porter leurs lettres eux-mêmes ? Et le facteur, il compte pour des prunes ?» J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Non, mon petit bonhomme, si c'est comme ça que tu fais ton travail, tu ne deviendras jamais receveur des postes, je te le garantis.
Le facteur se dit qu'il ne lui restait plus qu'à faire ce que lui demandait Fifi. Et il déposa donc la lettre dans la boîte aux lettres de la villa Drôle de Repos. À peine s'y trouvait-elle que Fifi la sortit toute excitée. « Oh là là, oh, je ne peux pas attendre plus longtemps, c'est la première lettre que je reçois !» Les enfants s'assirent sur les marches de la véranda et Fifi déchira l'enveloppe. Tommy et Annika lurent par-dessus l'épaule de Fifi. « Cher Fifi, j'espère que tu vas bien. Ce serait 13 embêtant si tu étais malade. J'ai la santé. Ici, il fait beau temps. Hier, Tommy a tué un gros rat. Bise, Fifi. » Oh ! S'exclama Fifi ravie. Ma lettre dit exactement la même chose que la lettre que tu as écrite à ta grand-mère. Ça prouve que c'est une vraie. Je la garderai précieusement dans un coin. Fifi remit la lettre dans l'enveloppe et l'arrangea dans un petit tiroir du gros secrétaire dans le salon. Il y avait peu de choses que Tommy et Annika aimaient autant que de regarder tous les objets merveilleux que Fifi conservait dans son bureau. Fifi avait beau leur donner souvent des cadeaux, les trésors semblaient ne jamais prendre fin. « En tout cas, dit Tommy, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe dans ta lettre. Oui, tu devrais aller à l'école pour apprendre à écrire un peu mieux, ajouta Annika. Oh, non merci, j'y suis déjà allée toute une journée et je n'ai pas encore fini de digérer tout le savoir dont on m'a bombardé. Mais nous irons en excursion un de ces jours, reprit Annika. Toute la classe. Ça c'est trop fort, dit Fifi en mordant une de ses nattes. Bien entendu, je ne pourrai pas vous accompagner parce que je ne vais pas à l'école. C'est comme si les gens se croyaient tout permis parce que je ne sais pas mes tables de multiplication. Multiplication, insista Annika. Oui, c'est bien ce que je dis, multiplication. On va faire 10 kilomètres en forêt et on organisera des jeux, dit Tommy. Oh, c'est vraiment trop injuste, s'exclama Fifi. Le lendemain était une très belle journée et les élèves de la petite ville avaient bien du mal à rester tranquilles sur les bancs de l'école. La maîtresse avait ouvert les fenêtres en grand pour laisser entrer le soleil. Il y avait un bouleau juste devant l'école et, à son sommet, un petit étourneau gazouillait joyeusement. Tommy, Annika et leurs camarades l'écoutaient attentivement et ne se souciaient pas du tout de savoir que 9 fois 9 égale 81. Soudain, Tommy sursauta. « Maîtresse, regardez » cria-t-il en montrant la fenêtre. « C'est Fifi !» Tous les regards convergèrent vers le même point. Oui, c'était bien Fifi qui était assise sur une branche du bouleau, branche qui atteignait presque le rebord de la fenêtre. « Salut, mademoiselle ! Salut, les copains !»« Bonjour, Fifi !» répondit la maîtresse. Fifi avait déjà passé une journée à l'école et la maîtresse se souvenait très bien d'elle. Elles étaient même convenues que Fifi reviendrait peut-être à l'école quand elle serait plus grande et plus raisonnable. « Que veux-tu, Fifi ? J'aurais voulu que tu me jettes un peu de multiplication par la fenêtre. Du moins assez pour que je puisse vous accompagner dans votre excursion. Et puis, si vous trouviez de nouvelles lettres, tu pourrais me les envoyer par la même occasion ?»« Ne veux-tu pas entrer un instant ?» demanda la maîtresse. « Oh, non, merci !» répondit Fifi avec franchise, en s'installant plus confortablement sur la branche. « Ça me donne le tournis. Le savoir est tellement épais à l'intérieur qu'on pourra en découper des tranches. Mais ne crois-tu pas, mademoiselle, qu'un peu de ta science pourrait s'envoler par la fenêtre et venir se loger dans ma tête ? Juste assez pour que je vous accompagne. » Oh, « c'est possible, » répondit la maîtresse avant de poursuivre la leçon de calcul. Les enfants étaient ravis d'avoir Fifi perchée dans l'arbre, juste au dehors. Elle avait offert à chacun des bonbons et un jouet le jour où elle avait fait ses courses. Bien sûr, M. Nilsson accompagnait Fifi,
et les enfants étaient enchantés de le voir sauter d'une branche sur l'autre. Il sautait même sur la fenêtre. Et à un moment, il fit un grand bond, atterrit sur Tommy et se mit à lui gratter la tête. La maîtresse demanda à Fifi de rappeler M. Nilsson, car Tommy ne pouvait pas calculer combien faisait 315 divisé par 7 avec un singe sur la tête. En tout cas, il semblait bien que la leçon n'avancerait pas. Le soleil de printemps, les tourneaux, Fifi et M. Nilsson, ça faisait trop pour les enfants. « Mais enfin, les enfants, vous avez complètement perdu la tête, » dit la maîtresse. « Oui, » dit Fifi perché dans son arbre, « ça n'a pas l'air d'une bonne journée pour la multiplication. »« Nous faisons des divisions. » »« Il ne devrait pas y avoir de sion du tout par une journée pareille. » Sauf la récréation. La maîtresse n'insista pas. Dans ce cas, Fifi, tu pourrais peut-être te charger de la récréation. Eh bien, c'est que je ne suis pas si douée que ça pour la récréation, dit Fifi en se suspendant par les jambes, ses nattes rousses touchant le sol. Mais je connais une école où on a récréation toute la journée. C'est même inscrit à l'emploi du temps. Journée de récréation. Ah, tiens, tiens, où se trouve cette école? En Australie, dans un village du sud de l'Australie. Tout à fait dans le sud. Fifi se redressa, les yeux brillants. Et que font les élèves lorsqu'ils ont récréation? Demanda la maîtresse. Ça dépend. Normalement, ils commencent avec du saut par la fenêtre, puis ils poussent de grands cris. Ils reviennent en classe. Ensuite, ils font des cabrioles sur les bancs jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Mais que fait donc leur maîtresse pendant ce temps? Elle? Elle fait aussi des cabrioles, bien sûr. Elle est encore plus déchaînée que les élèves. Ensuite, ils se battent pendant une demi-heure environ. La maîtresse les encourage. S'il pleut, les enfants enlèvent leurs vêtements et courent sous la pluie. La maîtresse joue une marche à l'orgue pour qu'ils gardent le rythme. Certains se mettent sous la gouttière afin de prendre une bonne douche froide. Vraiment? Bien sûr, et c'est une école formidable, une des meilleures d'Australie. Mais elle est vraiment perdue au fin fond du sud. Je vois ça d'ici, mais je ne crois pas que ce soit ce qu'il nous faille par ici. Quel dommage! S'il s'agit seulement d'une question de cabriole, je pourrais peut-être venir vous aider. Pour les cabrioles, tu attendras l'excursion. Oh, je peux vraiment venir avec vous? Cria Fifi en effectuant un saut périlleux arrière. Ah, il faut que je leur raconte ça en Australie. Et ils peuvent bien garder leur récréation. Moi, je préfère une excursion.